Bonjour, je m'appelle André de Bézieux, je suis formateur indépendant dans la région toulousaine. Vous avez probablement été confronté, comme moi, à la nouvelle réforme de la formation professionnelle. Cette réforme est complexe, elle nécessite des nouveaux engagements de notre part, des engagements de qualité, de comprendre les démarches, les types de démarches qualité qu'on nous demande, de comprendre et de trouver les bonnes certifications qualité qui existent aujourd'hui, de comprendre comment déclarer votre entreprise auprès du Datadoc. Ben pour cela, nous avons créé une association. Cette association regroupe l'ensemble des formateurs de la région toulousaine. C'est une association qui engage les formateurs à respecter nos chartes de qualité professionnelle. Dans ces démarches qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des formateurs qui s'engagent dans notre assos s'engagent à passer une certification qualité. Alors ça peut être soit un CQP de formateur, soit une certification, la certification région. Pour cela, on va créer des ateliers. Quelques exemples d'ateliers, des ateliers sur, évidemment, le Datadoc, comment le remplir, des ateliers comme comment remplir le bilan pédagogique de fin d'année, des ateliers pour pouvoir créer des classrooms en ligne, ce qui va vous permettre à l'ensemble des stagiaires d'avoir accès à des supports de cours, à pouvoir accéder à des tutos, à des vidéos, de poser des questions, et comme ça vous pourrez ainsi suivre l'évolution de vos stagiaires. Comment créer une MOOC ou un e-learning en ligne? Ça peut être un projet commun qu'on a tous et qui peut être sympa à réaliser. Comment transformer vos supports de cours en ouvrages éditables, papier ou Kindle? Comment passer une certification CQP auprès de la FFP, la branche professionnelle de la formation, un CQP de formateur, et comment passer tout simplement des certifications régionales Occitanie. Alors moi je parle de celle-là, il y en a d'autres, mais on peut ensemble pouvoir en discuter. En tout cas j'en ai passé deux ou trois et ça peut être sympa. Cette association, elle engage aussi les OF, les organismes de formation. On va aussi créer un annuaire de formateurs indépendants pour être en contact avec les OF, les organismes de formation de la région. Nous, de notre côté, on s'engage à avoir une qualité de travail. Si jamais l'aventure vous intéresse, vous pourrez nous contacter soit via notre site internet, soit notre page Facebook, soit directement par mail.